Je suis heureux de pouvoir accueillir en cette salle du Cerf de Toula à une heure qui est l'heure habituelle de l'humanité, n'est-ce pas, la conférence de professeur Aneta Bété Kongolo, qui est à elle seule une raison d'espérer. Une raison d'espérer pour ce que nous faisons, pour les combats qu'au nom de l'Afrique, nous sommes amenés à porter toujours plus haut, toujours plus loin. Une raison d'espérer pour l'institution qui l'accueille ici et qui est très heureuse de l'accueillir, parce qu'elle nous rappelle dans sa démarche tous Africains célèbres qui n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié que l'homme n'est homme que par sa capacité de culture, que l'homme n'est véritablement homme que s'il a une identité à défendre, s'il peut se reconnaître dans cette identité, s'il peut, par-delà les aléas de l'histoire, se retrouver toujours comme dans un miroir pour reprendre son chemin et donner à ceux qui viennent après lui la force d'avancer. Aneta Bété Kongolo, beaucoup ne la connaissent peut-être pas ici. Il ne me reviendra pas de la présenter. Je me contenterai de dire que c'est une jeune personne, j'allais dire une très jeune personne, mais c'est déjà tout un monument. Elle nous propose un concept novateur et innovant dans l'étude de la maîtrise de la pensée africaine et la relation de la pensée africaine à l'histoire. C'est le concept d'interoralité, je crois, oui, qui est bien au centre de cette conférence. J'ai eu le bonheur d'être accueilli en Martinique il y a quelque temps déjà. Où j'étais appelé à prononcer une conférence sur des questions similaires. Parce que voyez-vous, l'Afrique est toujours une. Et au cours de cette conférence, qui était coordonnée de main de maître, on ne dit pas de main de maîtresse, mais d'une même maîtresse, une maîtresse-main pour les étudiants. La conférence était coordonnée d'une maîtresse main par le professeur Bété Kongolo. J'ai eu l'occasion de voir et de mesurer dans la réalité quelle est la profondeur de la demande sociale d'Afrique dans ces terres lointaines, ces terres caribéennes. Et j'ai compris alors le sens de l'interpellation qui, tout au long des jours que nous avons passés en Martinique, était faite. L'interpellation était la suivante. Je vous la restitue. Qu'est-ce que l'Afrique a fait de nous, a fait de nous? Donc, un désir d'Afrique. Non pas comme une terre de rêve, mais comme une terre humaine qui a une continuité, qui n'a pas une excroissance, mais qui, par-delà les aléas, s'est développée ailleurs. Et je crois que l'interoralité qui définie par Aneta Bété Kongolo se veut recomposition, relecture, n'est-ce pas, du compte déjà fait. C'est-à-dire la retrouvaille du compte qui est établi vers un autre compte et sa lecture analytique en profondeur par des prismes originaux de ceux-là même qui sont concernés pour dire la parole africaine à travers le dit, à travers le compte. Voilà, me semble-t-il, une approche qui pourrait ressembler ou rappeler celle d'un Frantz Fanon qui se retrouve. Celle d'un Aimé Césaire
qui, sans avoir été colonisé, a dit le colonialisme. Ce discours sur l'Afrique, sur l'oralité africaine, est un discours nouveau. La démarche analytique qui en découle est une proposition nouvelle. Et je crois qu'il y a là, les étudiants ont dû en bénéficier tout au long des enseignements de l'ANETA, que j'aurais bien voulu suivre en auditeur libre, moi aussi. Il y a là une approche, une démarche, une voie nouvelle que nous devons encourager et d'explorer. Nous devons pas seulement de l'encourager et de l'explorer, nous devons nous l'approprier. Et c'est à ce titre-là que je voudrais saluer ceux qui ont tenu à être présents à cet entretien. Je souhaite que nous soyons attentifs à celle qui est amenée à prendre la parole. Elle n'est jamais fatiguée. Mais le temps de la parole est toujours un temps d'accomplissement. Alors, trêve d'oralité, parole à l'interoralité. Merci, cher professeur. Je suis très heureuse d'être en votre présence à tous. Je dois évidemment d'abord remercier le professeur Bina Nikoy de me recevoir en ces lieux très importants que constitue le Cerbidotola. J'espère que j'y reviendrai souvent pour y parfaire ou continuer ma recherche sur les oralités africaines dans le cadre de la recherche comparatiste avec les oralités ou l'oralité, l'interoralité plus précisément, caribéenne et américaine nègre. Je veux aussi remercier l'équipe du Cerbidotola qui a permis que cette présentation soit possible. Les étudiants qui se sont montrés d'une patience remarquable, merci beaucoup. Votre patience, le fait que vous ayez attendu, le fait que vous soyez présents en cette heure particulière me touche beaucoup et je crois que je vous en serai éternellement reconnaissante. Je veux également saluer et remercier directement et publiquement ma collègue docteur Cécile Dolissane et Bossé, qui a permis ma visite au Cameroun, qui m'a rendu possible, qui a mis en œuvre tous les paramètres nécessaires en œuvre et en place pour que je parvienne jusqu'à ici, et qui m'a rendu le séjour fort agréable. Merci. Merci, docteur Bossé. Alors, je voudrais vous introduire à cette idée concernant la parole caribéenne, la parole caribéenne nègre, telle qu'elle s'est articulée, telle qu'elle s'est constituée les cinq derniers siècles, et qui provient d'un système très particulier qui est celui de la colonisation et de l'esclavage. L'histoire de l'Amérique, de laquelle je proviens, je suis issue de l'Amérique insulaire. Je suis une afro-descendante de cette Amérique insulaire et mon histoire est marquée par les tenants de la colonisation et de l'esclavage également. Donc cela structure de manière particulière. Cela mène également à comprendre et à être convaincu du fait, c'est que cette histoire qui a donné naissance au type d'homme auquel j'appartiens est une blessure faite à l'homme. C'est peut-être l'une des premières, je n'en sais rien, je ne sais pas s'il faut présenter cette blessure en ces termes, mais il s'agit d'une véritable blessure. Les Africains ont été ravis à leur terre initiale, celle qui les a structurés, qui leur a donné une raison d'être en l'univers, et déportés en une autre terre qui va à son tour les structurer d'une manière particulière. Eh bien, la raison d'être de ces Africains déportés en cette terre différente de leur terre primitive est fondamentalement une raison
anti-homme, anti-humanité. C'est une raison qui fait injure à l'humanité. Les Africains déportés ont dû faire face à cette situation au sein de laquelle l'homme était mis en danger de désapparition totale, c'est-à-dire de désintégration fondamentale. Il a fallu faire face à cela, il a fallu apporter une réponse à cela, et la réponse s'est apportée sur le mode oppositionnel. C'est la raison pour laquelle l'un des enjeux primordiaux de cette histoire est la parole. La parole est l'enjeu fondamental de l'histoire de l'Amérique. Il y a eu deux paroles conjointes, mais opposées. Une parole ayant pour visée la déstructuration du sujet africain, par la même celle de l'humanité, et une autre parole portant les tenants de cette humanité précisément qu'on tentait, qu'on cherchait de déstructurer, l'humanité africaine. C'est par cette réponse qui est une véritable rétorque. Par la rétorque fondée sur l'essentiel de l'homme, la parole. N'est-ce pas cela qui caractérise en très large partie l'humanité, l'être humain, n'est-ce pas? Cela qui dissocie l'être humain de l'animal. Eh bien, l'Africain a répondu à la blessure, l'Africain a répondu à l'attaque sur l'homme et sur l'humanité en se situant précisément dans le domaine duquel on voulait le déplacer, dans celui de l'humanité, résolument. Il s'est reposé sur ce qu'il savait, sur ce qu'il connaissait et sur ce qu'il comprenait de lui. Son anthropologie, son fondement épistémologique, sa culture en d'autres termes, c'est précisément par ce biais que va s'articuler la réponse de l'Africain à cette grande blessure infligée de manière virulente et cinglante à l'homme. Ainsi va-t-il se projeter dans le territoire au moyen de cette culture. Donc, les survivances, il ne s'agit. Nous avons coutume de qualifier la présence africaine en Amérique de survivance, mais il ne s'agit pas de survivance simple, il s'agit d'une véritable présence africaine, puisque l'Amérique a été africanisée, ce qui d'ordinaire n'est pas dit. Nous parlons généreusement de créolisation, sans mentionner le fait qu'au cœur de cette créolisation se trouve l'africanisation. C'est par le biais de la projection de l'africanité, de son africanité, que l'Africain va se transformer et devenir quelque peu autre. Il va devenir autre tout en demeurant. D'où cette présence marquée de l'Afrique en Amérique qui me mène à proposer que l'Amérique insulaire est fondamentalement négro-africaine. Cette instance d'africanisation se vérifie dans une autre instance, dans une sous-instance qui articule la parole même. Le système de parole caribéen résulte d'une transposition complexe du système de parole africain. L'oralité africaine aura été transposée, c'est-à-dire qu'elle aura subi un trajet de reformulation qui va résulter sur une entité singulière et inédite. La somme de cette reformulation ne sera pas identique à la somme des formulations orales d'Afrique. D'où une distinction. La reformulation, la transposition, constitue une distinction ontologique. Mais encore une fois, il faut insister sur le fait que cette ontologie nouvelle qui va être celle des négro-américains de la partie insulaire de l'Amérique ne va pas être fondamentalement dissociée
de déformulations africaines. Donc, je voudrais présenter cette idée de l'interoralité, cette reformulation présente le caractère premier de l'instance de parole de la Caraïbe, non pas comme orale, mais plus précisément comme interorale. Il est important de relever le terme inter, ce dialogue entre les oralités, constitue un ciment primitif du caractère de l'instance de parole de la Caraïbe, le dialogue entre les paroles. Les paroles africaines, ou la parole africaine, si on veut les résumer en un tout cohérent, et le système de parole occidental, précisément européen. Dans le système interoral caribéen, se retrouve une majorité de contes africains transposés dans la Caraïbe, de telle sorte que à chaque conte africain se retrouve un correspondant américain. Mais également, à côté de cela, en même temps que cela, avec cela se trouvent également des reformulations du système de parole européen. Les contes européens font partie intrinsèquement du système de parole caribéen également, d'où la complexification de l'interoralité, mais aussi la justification de ce terme-là entre, inter, le dialogue entre les oralités et ce qui typifie l'oralité caribéenne, de sorte qu'il ne s'agisse pas d'une oralité simple, mais d'une oralité complexe et complexifiée, une interoralité. Comment et pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Eh bien, je propose le néologisme interoralité, créé par analogie avec le terme intertextualité, développé par les structuralistes et post-structuralistes français, comme le processus littéraire et esthétique par lequel des contes déjà établis sont transformés en des contes nouveaux et dont le résultat de la transformation est particulier. Et je propose l'interoralité comme le phénomène esthétique qui caractérise de manière pertinente la nature et l'esprit de cela qui est caribéen et qui articule une bonne partie de la noèse du caribéen nègre. Je soutiens également que la culture orale de la Caraïbe, comme je viens de vous le dire, répond non pas à l'oralité simple qui lui attribue ordinairement, mais plus justement une complexification phénoménologique de l'oralité, magnifiant le rapport dialectique constant entre oralité, de sorte que la culture tienne plus de ce que je nomme interoralité. L'Africain en Amérique qui conçoit l'interoralité transmute la typologie de l'oralité devant devenir l'un des principaux fondements culturels et identitaires. L'interoralité est l'une des manifestations les plus emblématiques de la créativité et de la productivité de l'Africain et de sa descendance en Amérique. L'Africain en Amérique offre au monde une inédite esthétique prenant sens dans sa systématicité et dans ce qu'elle articule une manière particulière de la pensée et de sa saisie des phénomènes du monde en Amérique. Dans le domaine de l'art, il offre une philosophie dont il convient de relever de comprendre la phénoménologie. Manifestation de la créativité de groupe pour la Caraïbe, l'interoralité d'une esthétique hegelienne, c'est-à-dire une philosophie de l'art. Par l'interoralité, l'Africain commence en Amérique, et pour l'Américain caribéen nègre en particulier, une tradition d'objection et de rétorsion philosophique et idéologique fondée sur l'art et l'art du langage tel que le dernier se rapporte au poétisme. La coutume est de faire référence aux Africains et aux Européens ayant évolué sous le régime colonial et esclavagiste par les terminologies d'esclaves et de maîtres. Les deux termes connotent une ontologie essentielle, fort erronée. Qu'ils soient entendus une fois pour
toute une terminologie dénuée de connotations socio-psychologiques et dénotant avec justesse les deux fonctions et statuts respectifs. L'Africain déporté en Amérique est réduit à l'esclavage. Il est donc un esclavagé. L'Européen possédant par le moyen pécuniaire des hommes et réduisant les derniers à l'esclavage est syllogistiquement un esclavagiste. Je propose donc que les termes plus justement descriptifs et dépouillés de l'idée d'identité objective et essentialiste d'esclavagé et esclavagiste. Nous devrions dorénavant faire référence aux Africains déportés, non pas en tant qu'esclaves, mais en tant qu'esclavagés, et les Européens les ayant réduits à cet état social, non pas en tant que maîtres, mais en tant que ce qu'ils ont été véritablement, les esclavagistes. L'interoralité caribéenne démontre que la capacité productrice de l'Africain esclavagé est non seulement totale, mais aussi totalisante. La production et la productivité économique de l'esclavagé sont établies. L'Africain est déporté pour la raison économique. Mais on s'attache moins à ses autres productions parce qu'en effet, il est vrai qu'il va produire de manière totale. Il va articuler toutes les formes de production en Amérique. Le terrain lui est laissé vierge et vaste pour qu'il s'y déploie parce que l'Européen va abandonner. L'esclavagiste va abandonner toutes ses chances et ses opportunités de créer, de faire acte de culture. Il va, au profit de l'économie de plantation, abandonner ses capacités manuelles. Ainsi, dans les colonies américaines sont arrivés des forgerons européens, des maçons européens, des médecins européens, par exemple. Ils vont répudier ces qualités sociales et professionnelles au profit de l'économie de plantation exclusivement, alors vont laisser la charge de la construction infrastructurelle de l'Amérique à l'Africain totalement. Mais l'Européen ne va pas non plus se projeter culturellement en Amérique puisque le seul objectif qu'il lui importe est celui de devenir riche. Il va aussi laisser cette charge à l'Africain, à son insu, évidemment, les choses vont se dérouler de la sorte, mais ce qu'il va en réalité faire, c'est laisser la charge à l'Africain de culturer l'Amérique, de lui proposer une culture, et c'est cela même qui va se produire. Pourtant, nous continuons à ne pas prêter attention à cela, au fait que la production de l'Africain en Amérique a été totale, que l'Africain en Amérique a été essentiellement un être pour l'érection, pour l'élévation. Non seulement a-t-il permis la construction sociale des individus engagés directement dans l'économie de plantation, les esclavagistes, mais il a aussi permis que ces riches des pays occidentaux européens qui étaient impliqués dans la traite, la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Allemagne, etc. Mais il va aussi travailler pour lui, pour son compte, pour le compte de l'homme. Il va aussi travailler en déployant cette parole oppositionnelle, cette parole référentielle, cette parole culturelle et anthropologique, pour qu'en Amérique, l'homme demeure. Donc, si comme le soutient véracement Victor Schœlcher, qui est un abolitionniste français, les caractéristiques de l'esclavage et de l'esprit de l'Européen qui le fomente y rendent impossible l'introduction de l'humanité, il n'en reste pas moins que l'esclavagé, par la force de son travail à son service et au service de l'homme, par sa créativité esthétique, y impose d'emblée l'humanisme. Ancré dans la langue et le langage, spécificité irréductiblement humaine, le caractère primordial de l'interoralité pour l'homme doit aussi se mesurer à la nature profondément anti-homme du système colonial et esclavagiste. En Amérique, le travail de l'Africain, particulièrement son travail de création esthétique, parce qu'il s'emploie dans les caractéristiques de l'homme en un endroit où celui-ci est parfaitement outragé, va sauver l'homme de la chute. Cela, il faut vraiment en tenir compte.
puisque nous effectuons toutes ces recherches sur l'esclavage, sur la présence africaine en Amérique, sans jamais, jamais tenir compte de cela. C'est un fait, c'est aussi un accomplissement. C'est une vérité qui a été articulée de manière factuelle par l'Africain en Amérique. La colonisation de l'Amérique, c'est-à-dire l'exploitation sans partage de ses ressources humaines et naturelles, de même que l'esclavage des Africains par l'Europe, répond à une ambition fondée sur l'enrichissement et la domination, soit sur le pouvoir absolu. Lorsque de 1505 à 1810 officiellement, des millions d'Africains furent déportés en Amérique pour l'enrichissement de l'Europe et des Européens, fut si logistiquement envisagé le corrélatif démantèlement de la personnalité africaine afin de favoriser chez les Africains une productivité exclusive. L'Européen organise des stratagèmes en retors, mais explicites, se traduisent par une politique de démantèlement de cela qui est africain. Il était tenu par l'esprit colonial que provoquer une désunion totale entre l'Africain en Amérique et l'Africain en Afrique et l'Afrique conduirait immanquablement à l'extinction de l'africanité, postulat constituant un paramètre nécessaire à l'entreprise coloniale esclavagiste d'enrichissement. La présence africaine humaine en Amérique insulaire ne fait pas de doute. Bon, j'en suis la preuve. D'ailleurs, elle fut durant la période coloniale esclavagiste numériquement écrasante. La proportion de la présence africaine en Amérique est incroyable par rapport à celle de l'Europe. Pour une colonie comme Saint-Domingue, qui est pendant très longtemps jusqu'à la Révolution, la colonie française la plus productrice, prospère et florissante, il y a entre 500 000 et 700 000 esclavagés contre 10 000 esclavagistes. Et c'est le cas dans toutes les colonies. Donc le rapport numérique est incroyablement disproportionné et en faveur des Africains. Si l'on tient compte de ce rapport numérique, on peut d'emblée conclure à une africanisation de manière mathématique. Pourtant, cela n'est jamais dit. Ne serait-ce que sur le plan du nombre. Il faut encore maintenant venir démontrer par ces travaux, là, comme celui que j'effectue, que je vous présente, qu'en effet, il y a eu véritable africanisation sur le plan culturel. La stratégie de démantèlement de l'africanité repose sur une méthode pensée soutenue par un vaste ensemble de moyens offensifs interliés, englobant à la fois le physique et le psychique, soit des mécanismes de destruction totalitaire, ne devant laisser aucune chance de survie à l'Afrique dans ses référents distinctifs, identitaires et matériels. Une autre chose qu'il faut garder en mémoire également concerne le caractère structuré du démantèlement de l'africanité. Cela a été pensé, organisé, réfléchi et mis en œuvre selon l'ordre d'une organisation. C'est d'abord par l'atteinte à son intégrité organique que l'esclavagiste envisage de déchoir l'Africain. Les inhumanités assénées au corps de l'esclavagé, indice visible d'identité, sont de nature à provoquer chez lui une répudiation de son corps déchu. Ce dernier, en effet, ne réside dans l'espace colonial et esclavagiste que dans la déchéance et ne peut permettre, comme il le devrait, le transport de la dignité. Mutilé, le corps de l'Africain rejoint celui du monstre. La déchéance organique est rendue plus apparente par les codes vestimentaires imposés à l'esclavagé, qui du reste est souvent nu. Un observateur missionnaire de la colonie de Saint-Domingue en 1770 souligne le corollaire entre apparence physique stipulée par l'habillement et dignité. Lorsqu'ils ne sont pas nus, je le cite, quelques lambeaux de grosses toiles servent plutôt à les défigurer qu'à les couvrir. L'attentat sur le corps de l'Africain est méthodiquement accompagné d'une indignité faite à l'esprit de l'Africain. Entre autres, la stratégie de démantèlement psychique comprend la permutation des valeurs et la permutation de valeurs et de références ontologiques et singularisantes, parmi lesquelles figurent la religion ainsi que la langue et le nom, des signes fondamentaux dans la construction de la psyché.
dès 1638, un acte d'assemblée de la Compagnie des Îles enjoint que soit instruit soigneusement la religion catholique, les nègres possédés par les Français, et en 1664, un règlement de M. de Tracy, stipule que soient baptisés les nègres et les enfants descendants des vaisseaux. Finalement, le totalitarisme, le caractère exhaustif et temporellement long de l'attaque sur l'une des humanités du monde, l'a fait équivaloir à une attaque sur l'homme. Il est important de relever en effet la longévité de ces pratiques, le fait que cela se soit déroulé sur une plage temporelle extraordinairement longue. Mais il faut observer que la dépersonnalisation totale n'a pas lieu. Et qu'à l'action de démantèlement, au discours dépréciatif, sont opposés une contraction et un contre-discours s'inscrivant dans la créativité et dans la création esthétique. Cette histoire de l'esclavage a mené l'Africain en Amérique et ensuite sa descendance à résider continuellement dans la politique du contrat. Il faut contredire, il faut contre-agir, il faut contrefaire constamment. L'Africain apporte dans le monde américain une preuve d'art par l'œuvre artistique s'ancrant dans les caractéristiques humaines et ainsi prévenant la mort de l'homme en même temps qu'il assure à l'espace une coordonnée culturelle totalisante et inclusive de toutes les parties en présence. C'est d'abord en ce qu'elle est le fondamental contraire de la proposition de l'esclavagiste qu'il faut voir toute la portée philosophique et axiologique de l'interporalité. En fait, l'interporalité est une éthique. Elle moralise le territoire qui est dépourvu d'éthique. Elle assure et assume également et surtout principalement la rétention, la perduration et la continuation de cela dont la mort est projetée, soit l'Afrique. L'interoralité a donc une valeur mnémonique. C'est une mémoire, car elle sert à mémoriser l'Afrique contre toute attente. On ne s'y attend pas, elle doit mourir, l'Afrique, elle va mourir, parce que le projet est savamment pensé et mis en œuvre. C'est un pied de nez. C'est un tour de force. Elle favorise la disruption avec le système en place et la rupture, promouvant l'inclusion des différentes singularités. Sur le plan épistémologique, elle se lit comme un manifeste chiasme esthétique. Mais l'interoralité est surtout un outil de contestation manifeste du programme d'aliénation et de suggestion coloniale. Par elle, en somme, est tenu un discours politique, dénotant autant qu'il connote l'opposition idéologique. Elle s'inscrit aussi dans le domaine de la sociopsychologie, puisqu'elle montre que l'Africain a la capacité de découvrir une solution nouvelle et originale à la crise humaine qu'il vit. L'importance cruciale de cette créativité, en fait un pouvoir collectif, ne peut prendre sens, ne peut se comprendre et s'admettre que dans la prise en compte sérieuse du contexte esclavagiste auquel fait face l'Africain en Amérique. Son importance est aussi à entendre dans le fait qu'il est une manifestation de la spiritualité de l'Africain, c'est-à-dire de son esprit particulier. Hegel assure que la beauté de l'âme est beauté née de l'esprit. L'interporalité appartient au beau, c'est une esthétique, évidemment. Cela indique non seulement une spécificité spirituelle sur le plan épistémologique, mais également une intelligence et une pensée, c'est-à-dire les principes de la vie psychique, selon lesquelles les fonctions psychiques et psychophysiologiques participent de la connaissance et de la compréhension des choses et des faits. L'analyse des contes caribéens peut nous permettre de savoir et de comprendre ce que l'esprit africain en Amérique a conçu et l'idéologie, c'est-à-dire les idées, les croyances, les politiques et les philosophies qui soutiennent son action. Cela est d'autant plus important que l'interoralité a une valeur praxique. Elle est faite pour l'action. Dans le conte se trouve une méthodologie pour l'opposition, pour la résistance. Elle intime l'action contre le système déstructurant. En fait, par une telle analyse, peut-on parvenir syllogistiquement à une meilleure compréhension de l'Africain en Amérique. Le symbolisme que dévoile spiritualité et liberté dans le processus de création d'art dans le contexte colonial et esclavagiste où la spiritualité et la liberté africaine sont mises, signale l'acte comme un tour de force, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, évidemment, pour produire l'esthétique et le beau, il faut se situer en contexte de liberté. L'Africain
en Amérique est entravé, il n'est pas libre, il porte les chaînes. Et cette instance-là, esthétique, va lui permettre d'instituer, de proposer comme institution la liberté. Cela est d'autant plus un tour de force que l'esthétique ou l'art fait appel à la fois aux entières propriétés de celui qui nous produit. Elle a ses sens, ses sentiments, elle fait appel au sens, au sentiment, à l'émotion, aux intuitions, mais aussi à la pensée et à l'esprit critique. L'interoralité se situe dans ce domaine de représentation où les contes la composant révèlent les profondeurs immatérielles permettant de saisir et de distinguer l'idiosyncrasie de celui qui met l'art en œuvre. Elle signale aussi que pour se défendre contre l'oppression et l'injustice, l'esclavagé a recours à son imaginaire, composant de son être moins facilement que l'enveloppe corporelle, sujet à la préhension concrète et donc à un facile et rapide déclin. L'esclavagé n'établit pas seulement une tradition orale, mais il commence aussi une tradition philosophique spécifiante. Bien plus tard, alors qu'aura légalement disparu le système esclavagiste, mais que perdurera la colonisation, sa descendance privilégiera le même moyen d'objection et de rétorsion contre l'oppression raciale et culturelle, de même que contre l'injustice encore intacte. Elle établira le moyen en tradition. À la suite de cette action de ces Africains dans la situation plantationnaire, donc des esclavagés, il y aura une continuation de cette action à l'époque dite moderne. Comme les ancêtres, elle la concevra comme référent de la conjonction entre altérité et intermédiaire de relation. Chez les francophones de Martinique, par exemple, la négritude césarienne et damascienne, l'antillanité byzantienne et la créolité créoliste consacreront l'imaginaire également comme le mode de relation ouverte et inclusive, considérant toutes les parties du monde. Cette action-là accomplie au moyen de l'institution de la culture, de la pensée, de la liberté, au moyen de l'esthétique, et la première négritude qui se soit exprimée en Amérique, bien avant 1789, la révolution haïtienne. Les actes de négritude ont perpétuellement été actés dans les plantations, notamment en un lieu mythique aujourd'hui pour les Caribéens, c'est le morne, c'est un terme créole référentiel qui veut dire colline. Le morne est associé au marronnage et l'interoralité est un marronnage. On ne l'attend pas. Elle survient et elle survient précisément là et comme il lui est interdit d'exister. Dans la liberté et caractérisant le nègre, elle va caractériser l'objet que l'on veut amener à l'anéantissement mortel, le nègre. Donc il s'agit d'un marronnage. Il s'agit aussi d'une des premières formes d'expression de la culture. De sorte que l'on observe qu'alors que la descendance théorise, la descendance, je viens de vous en parler, c'est Damas, Glissant et les autres, elle théorise beaucoup la philosophie, les ascendants, ceux-là qui permettent l'interoralité, l'acte, ils actent la parole, dans le sens où ils la pratiquent. Ils la pratiquent, le conte est fait pour la praxis. C'est aussi le cas de l'interoralité. Ils la font exister sans pour autant la théoriser. C'est moi qui le théorise aujourd'hui. Elle est très pragmatique, cette première interoralité. La descendance, donc, prolonge et structure par les moyens de la théorie ses airs et les autres, notamment identitaires, la philosophie mise en œuvre par les ancêtres, sous-tendue par l'intellection, l'intelligence, l'activité cognitive, intellectuelle, ont été le premier moyen de résistance. Je vous ai dit, l'intégralité est une intelligence, le premier moyen de défense du nègre d'Amérique insulaire. Ce n'est pas totalement le cas pour le nègre de l'Amérique continentale états-unienne, où le Civil Rights Movement s'effectue de manière très pratique sur le terrain, dans les rues.
En Amérique insulaire, c'est l'intelligence qui permet cela. Ce n'est pas le produit de l'esprit. Les idées que les Caribéens vont se défendre, c'est encore le cas aujourd'hui. L'intelligence caribéenne est redoutable parce qu'elle figure constamment l'homme, parce qu'il y a cette blessure originelle faite à l'homme et à l'homme africain en particulier d'Amérique. Sous-tendu par l'intellection, l'imaginaire est bien la première ressource et le premier moyen de défense légitime et d'opposition politique de la Caraïbe. C'est en l'imaginaire, en effet, que seront marqués de manière assidue les degrés et les témoignages de liberté et de transcendance caribéenne. L'esthétique est mise au service de l'idée. La constance de ce phénomène, adjointe aux circonstances de son apparition, singularise la Caraïbe et la présente comme innovante et force propositionnelle dans le monde des idées et de l'esthétique. Ainsi, seuls sont transposés les contes africains viables. Tout n'a pas été transposé. Et c'est un type de conte africain, c'est le mot dramatique, celui qui requiert une scénologie très particulière, le conte étiologique essentiellement, qui va être retenu parce que c'est lui le type qui est viable dans l'écosystème caribéen. Les contes ou les mythes religieux, par exemple, hormis dans les territoires ayant conservé une pratique religieuse africaine, comme Cuba, Haïti, sont peu nombreux. On en trouve, mais très peu. Les contes panégyriques, lyriques ou épiques, se sont révélés inopportuns. Il n'y a pas de place pour le lyrisme là, dans le système plantationnaire. Il n'y a pas de place pour l'épique, non plus. Sauf si on veut considérer que l'inter-oralité contient un degré d'épique en soi. Par contre, abondent dans toutes les aires linguistiques les contes moraux mettant en scène, évidemment, il faut moraliser pour poser une éthique, en scène, les animaux, les humains, pour souligner des principes éthiques. En général, les segments du conte source peuvent être identifiés et font que les deux appartiennent à la même famille. Donc, cette manière d'avoir transposé est très particulière. Moi, j'étais très étonnée de voir le procès de transposition. Donc, l'interoralité met en exergue la pensée imaginative de l'Africain, qui n'est pas censé produire la culture, parce que l'Occident tient que l'Africain, non seulement ne peut concevoir la culture, mais ne sait pas la produire. Donc il faut voir sa créativité, surtout dans la métaphasie symbolique ou dans les nouvelles symboliques qui sont de véritables transmutations de sens. C'est ça qui distingue le conte caribéen du conte africain. Le conte caribéen, c'est un conte africain qui est dans la Caraïbe avec une nouvelle symbolique. Ça, c'est la symbolique qui les dissocie. Ces transmutations de sens sont une réaction à la pratique et à la critique consciente et intellectuelle de la situation vécue et font que l'interoralité assume les particularismes de la civilisation caribéenne. Les contes qui figurent les personnages animaux antithétiques que j'appelle foubin, c'est un terme créole qui fait référence à l'extrême audace, mais également à la folie qui n'est pas folle. Donc, compère lapin, compère savant, timalis, anansi, la ricotea, tijan, qui sont les pendants de anansi, la tortue, le kikuma, etc., africain. Et l'opposé du foubin, c'est le tebe, qui est un autre terme créole qui signifie inintelligent. C'est un tebe ababa, c'est du créole. Deux termes qui signifient inintelligent, avec une connotation de dégénérescence biologique. Donc le tébé est une espèce d'individu non seulement inintelligent, mais souffrant d'une pathologie psychiatrique. Et ces personnages, Zamba, Bouki, Jean Sotte, Compère Sotte, qui sont liens, hein, équivalent de liens. Hein. Voilà. Ces deux personnages sont ceux qui sont en avant dans
l'intemporalité caribéenne, parce que ce sont eux qui satisfont le plus aux conditions politiques, psychologiques et philosophiques qui ont donné naissance à la Caraïbe. Il n'y a pas de meilleur personnage pour s'opposer que le Foubain, qu'on perd la peine à Nancy. C'est le tenant de la ruse. En termes de distribution, ils symbolisent le nègre et psychologiquement, ils sont les trompes d'attitude mentale. Structurellement, ils rendent le divisionnisme manichéen et simple du système plantationnaire. Une division manichéenne, blanc, noir, esclavagiste, esclavagé. Mais ils proposent dans les contes un discours dénotant l'alternative. Voilà ce que va proposer le conte, l'interoralité. C'est une alternative aux propositions du système esclavagiste. Et c'est une alternative qui va complexifier très sérieusement la dynamique et l'ordre en place. Donc, le Foubain, on perd la peine, à Nancy qui garde son nom hein, tel quel dans les territoires anglophones. Le premier type, donc le Foubain, pratique le contournement par l'audace. C'est le modèle. C'est la prescription. Le Foubain est le modèle prescrit pour la rétorsion. Le contournement, évidemment, stipule la ruse, mais Anansi africain connaît la ruse. Hein. C'est un Anansi caribéen, est l'héritier direct, le pendant direct de l'Anansi africain, il figure la ruse. Mais la ruse en Amérique ne va pas être une ruse africaine, elle va être une ruse européenne. Le premier tenant de la ruse dans le système plantationnaire, c'est l'esclavagiste. Le premier manipulateur, menteur, escroc, imposteur, c'est l'esclavagiste. Et il faut répondre de manière idoine à cette ruse par elle-même. Par la ruse également. On a coutume de décrier le personnage du Foubain, le Foubain, qu'on perd la paix, Anansi, précisément parce qu'il figure la ruse et que la ruse est présentée comme amorale. Mais il faut changer la paranaxe, c'est-à-dire la perspective sur l'entendement que nous avons du Foubain, de qu'on perd la paix, d'Anansi. Il faut d'abord considérer la ruse de l'esclavagiste. C'est elle qui justifie la ruse de l'esclavagiste. L'esclavagé ne peut pas combattre pour l'homme par un autre moyen, avec une autre force. Il faut répondre de manière pertinente. L'attaque est beaucoup trop inhumaine pour considérer des moyens en deçà de ce qui va permettre une opposition à la mesure, à la hauteur de la situation. Ce n'est pas la ruse de Anansi qu'il faut condamner, c'est d'abord la ruse de l'esclavagiste qu'il faut considérer. Le second, le pleutre, s'en bat. Kuma, j'en saute, Bouki. Eh bien, c'est le modèle proscrit. Vous avez compris le caractère manichéen. Demandé, requis par le système plantationnaire. Blanc-noir, esclavagé, esclavagiste, et bien prescription, proscription. L'interoralité va faire deux propositions. L'intelligence, l'inintelligence. Et va inciter, et va promouvoir l'intelligence figurée par Compère Lapin, par Anansi. Il n'est pas possible d'être inintelligent dans le système plantationnaire. Parce que la sanction ultime est la mort. La seule alternative est celle de Compère Lapin, celle du Foubain, l'intelligence.
Le contournement est une intelligence. La ruse, dès lors qu'elle est utilisée comme une autodéfense, est une intelligence. Voilà la prescription qu'il va faire. Et le modèle du Tébet est proscrit. La profusion des contes mettant en scène le Tébet, un lien, n'est-ce pas, Zamba dans les territoires francophones, ou encore Bouki à Haïti, Takuma chez les anglophones, eh bien ce Tébet, cet Ababa, cet inintelligent, tend à mettre en garde et à provoquer l'aversion pour ce type psychologique proscrit. En effet, hein, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Jamaïcains, Onis abhorrent l'inintelligence. Elle est toujours décriée. La persistante mise en parallèle des deux types psychologiques invite à la stratégie et au choix conscient. Vous avez le choix dans la deux nouvelles. Le contournement suggéré par le Foubert requiert la pertinence et donc privilégie le déploiement de modes correspondant à la virulence du système à contourner. La première instance de fonctionnement du système esclavagiste est la moralité et la justice, je l'ai déjà dit. Le discours esclavagiste commande explicitement chez l'esclavagé une passivité absolue devant annihiler le sentiment d'audace. Mais le comportement psychologique du Foubin propose la déconstruction du dit discours en promouvant une audace à la mesure du système. La fourberie est donc aussi l'un des modes du Foubin. Mais la fourberie est déjà chez l'actant africain de qui descend le Foubin caribéen un trait psychologique. Ceci, en plus des conditions plantationnaires favorables à son maintien, doublera l'importance psychologique du Foubin. Alors, les contes caribéens sont structurés selon la forme structurale du conte, puisque c'est une forme fixe. Mais les transpositions, la formologie, pour ne pas faire de néologisme, du conte caribéen est surprenante, quelquefois. Un conte type. Évidemment, comme dans tous les systèmes oraux du monde, on comprend une quantité infinie de variantes. Mais parfois, pour comprendre l'argument d'un conte type, il faut aller chercher des informations dans une variante d'une ère linguistique et culturelle différente. Pour comprendre l'argument premier, le symbolisme, la symbolique d'un conte martiniquais, il faut aller chercher des explications dans un conte cubain, dans un conte jamaïcain. Pour former un conte type, on va parfois prendre plusieurs variantes d'un conte type africain et en faire un conte type. Les variantes africaines vont devenir un conte type en Amérique. Il y aura un segment d'une variante africaine pour commencer un conte, un segment d'une autre variante africaine pour en faire un deuxième segment, un segment, c'est la composition, et moi je dis, en français créolisé ou en créole francisé, un composement. Ce terme me semble beaucoup plus idoine pour traduire ce qui se produit là. C'est une composition, c'est un alliage de choses, mais qui finit par être d'une cohérence inouïe. Enfin, l'interoralité est le signe qui indique la discrépance entre la situation imposée à l'esclavagé et sa situation intérieure, connue. J'ai commencé par dire que l'Africain va reposer sur ce qu'il sait, sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il comprend de lui. Il est déversé en Amérique, habité d'une épistémologie, d'une anthropologie.
Et c'est parce que les cultures africaines étaient terriblement ancrées. Quand je suis arrivée au Cameroun, je parlais aux paysans, je disais « sont terriblement ancrées ». Je crois que maintenant, il faut peut-être parler au passé. Parce qu'elles étaient farouchement ancrées, farouchement assises et stables. Que l'Africain a pu demeurer en Amérique en tant qu'homme. Il était prévu pour lui une transformation tératologique. Il devait y prendre la forme du monstre. Au mieux, celle de l'animal. Homme, il est demeuré, et l'humanité, il a sauvé en Amérique. En utilisant les instances de l'humanité, singulièrement les instances de l'humanité africaine. Par conséquent, à travers l'interoralité, une création artistique inédite est proposée, parce que à travers l'interoralité, l'Africain va dire là aussi ce qu'il sait. Il va énoncer sa prise de position raisonnée, parce qu'il n'est pas vrai que cela se soit produit seulement par le biais de la spontanéité. Il y a eu évidemment un transposement, une transposition de soi spontanée. Il ne pouvait pas en être autrement. Mais l'activité cognitive qui a gouverné à ces procès a été réelle. L'attitude philosophique qui érige l'homme comme première valeur de l'espace, où il a le droit d'épanouir librement son humanité, a été observée par l'Africain en Amérique. Merci, professeur Bété Kongolo. Merci pour la brièveté. Vous laissez votre public sur sa fin. Vous voyez. Ils ont demandé encore. Mais je vous remercie parce que je suis certain que un bref échange va nous permettre d'aller plus profond dans le partage de ce que vous portez, votre pensée si riche, si dense, si diverse aussi déjà, parce que tout un maillage de préoccupations émerge lorsqu'on vous a écouté une demi-heure et on n'est pas fatigué. Pour nous proposer en réalité une anthropologie de l'altérité. Et cette anthropologie de l'altérité, évidemment, nous renvoie à des racines, à des espaces. Et derrière les racines et les espaces, des constructions de terroirs, non pas d'embrigadement, mais d'ouverture. Et c'est cela qui est, me semble-t-il, fantastique dans votre démarche. On n'est pas figé. À tous les coups, on a l'impression qu'on a bougé. Et l'esthétique, on l'a oublié si souvent, n'est jamais loin de l'éthique. Parce que le beau est une valeur. Et évidemment, saisir le beau, mais surtout, rentrer dans le décryptage des formes et dans l'explicitation du fondement de ces formes-là. On appelle cela aujourd'hui un formatage. Dans le décrypter les formatages de leurs origines à leurs perspectives, voilà, me semble-t-il, une tâche immense qui va certainement faire école et appeler au développement d'une véritable école transafricaine, transatlantique, n'est-ce pas? Simplement, j'allais dire africaine, mais transatlantique, pour que l'on sache que hier n'est jamais loin de demain, et que dans ce que nous portons comme présent, il y a toutes nos rencontres, mais également toutes ces blessures, celles que l'on peut effacer sans jamais oublier, mais celles aussi que l'on ne peut effacer. Et c'est ce que je voudrais retenir de cet entretien, de ce début d'entretien, pour finalement ouvrir le débat en soulignant le fait que
derrière le conte que l'on croit, on a si souvent cru un genre facile et léger, il y a de la part de la culture et de la tradition africaine toute une philosophie. Et le conte peut être un espace de mise en scène. Il est simulation et dissimulation. Et il se lit forcément à des niveaux différents. Et l'interoralité nous conduit à dépasser les niveaux et à les faire, à interagir comme dans une sorte de percussion, d'orchestre de percussion, où le tam-tam appelle le tambour, et la cloche, une autre cloche. Voilà ce qui nous conduit évidemment à une quête de sens. Et cette quête de sens, c'est un humanisme. Je vois aussi que l'interoralité est un humanisme. Alors la parole est à ceux qui souhaitent l'apprendre pour en demander un peu plus et mettre à tout seigneur, tout honneur, un actant, un militant de l'oralité africaine que vous n'avez peut-être pas rencontré, mais que vous rencontrerez certainement. Maître Bondi Bondi va prendre la parole. Est-ce qu'il y a un micro baladeur? D'accord, alors je vous... Je pense que la force de résistance de nos ancêtres qui sont allés aux Amériques tient à quelque chose que je viens de découvrir. C'est vrai que j'ai cherché, mais je n'avais pas encore trouvé. C'est la foi. Cette foi est différente de la religion. Elle est différente de la religion. Cette foi que malheureusement nous n'avons peut-être pas un terme approprié. Parce que quand vous dites que aujourd'hui quand vous revenez, vous pensiez que vous aviez trouvé les Africains beaucoup plus. Non, ce que les Africains ont gardé aujourd'hui, c'est la piété, mais pas la foi. Les Africains de maintenant, ils ont plus de piété, mais non plus la foi. Alors que nos ancêtres, et c'est ce qui a fait leur force, et c'est ce qui a conduit donc, ce que vous dites, à la liberté. Parce que cette foi-là leur montrait qu'il fallait être en harmonie avec le Créateur. C'est cette foi-là qui leur donne une certaine philosophie. C'est cette foi-là qui leur donne l'art dont vous parlez et qu'on appelle dans ma langue l'âme. C'est-à-dire cette beauté. Ce que vous êtes en train d'exprimer. C'est cette foi qui fait en sorte que le un chez nous n'est pas le un pour diviser. Mais en fait, le un chez nous rassemble. Voilà en fait le vrai, la vraie, disons, je ne dis pas, je ne veux pas parler en disant que je parle ex cathedra, mais je pense que c'est ce qui a permis à nos ancêtres qui ont été déportés de pouvoir résister. Et c'est ce qui est en train de nous manquer, nous qui sommes aujourd'hui ici. Et c'est peut-être le constat que vous êtes en train de faire. Parce que cette foi, il faut la comprendre. Nous avons d'abord subi l'esclavagisme arabe. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Or, mes recherches que j'ai pu faire me montrent que quand mes ancêtres sont confrontés à l'esclavagisme arabe, parce que on leur est obligé à vouloir devenir musulmans, ce qu'ils n'ont pas voulu. C'est cette foi qui est née. Et vous parlez, vous entendez parler de Gorontoua, c'est justement à cette place. C'est
c'est encore une trois tenets pour le peuple Bassa. Pas seulement le peuple Bassa, parce que les gens l'oublient souvent. L'année dernière, il y avait les Badais, il y avait les Yafasa, il y avait d'autres peuples. Bon, mais comme ce sont les Bassa qui sont restés à Gorutuba, et que c'est eux qui ont le sanctuaire, bon, beaucoup estiment que ce sont les Bassa qui sont. Mais en fait, c'est de là que part. Malheureusement, la colonisation va arriver et elle va nous perturber parce que beaucoup ont perdu cette oralité. Nous n'avons pas été. Et c'est ce qui va nous permettre avec l'école, avec la religion. Et je vous dis qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le 1 de l'Africain n'est pas le 1 de l'Européen. Le 1 de l'Européen, c'est moi qui est différent de l'autre. Alors que le 1 de l'Africain, c'est que même si je suis là, mon cousin, c'est pour ça qu'il ne parle pas de son cousin, il parle de son frère. Même si son cousin, en tant que terminologie européenne, parce que chez vous, chez nous, ma tante, c'est ma mère. Il n'y a pas un mot pour désigner la tante. Quelle soit la tante du côté de votre père, que ce soit la tante du côté de votre mère, c'est toujours votre mère. Voilà ce que je voulais vous donner comme contribution. Peut-être que ça va vous permettre d'aller beaucoup. Bon, merci. Vous êtes. Je m'appelle Yen Joya. Je suis étudiant en philosophie, troisième année. Il fallait que je rappelle que je suis étudiant en philosophie parce que, premièrement, c'est la première fois que je viens, mais c'est la deuxième fois que j'écoute madame. Je l'avais déjà écouté au CLAC. Et c'est précisément parce que là, moi, étudiant de philosophie, je me posais une question avant la conférence. C'était de savoir quel sera le lien que je trouverai entre ce que je fais et cette conférence. Quel est le lien entre le savoir que je vais acquérir et la conférence à laquelle j'assiste? Et là, cette conférence, le professeur a terminé par là, n'est pas seulement une conférence qui portait essentiellement sur le compte. Elle allait un peu plus loin parce qu'elle posait des problèmes de fond, des problèmes d'identité. Et ça m'a amené à un niveau où je me suis demandé, puisque vous avez parlé du comportement de résistance de nos ancêtres qui ont traversé l'Atlantique. Ce comportement de résistance, on essayait un peu de l'actualiser dans le contexte de mondialisation actuelle, qu'est-ce que ça pourrait donner? Si on pourrait un peu essayer de contextualiser ce comportement de résistance-là, qu'aurons-nous aujourd'hui? Et là, je pense notamment, j'ai en mémoire le souvenir de Fanon, de Césaire, et je voudrais un éclairage à ce niveau, parce que la poursuite est un peu difficile quand on se limite un peu à Samiramé, avec la déconnexion. Merci. Intervention ou bien l'appétit vient en mangeant, alors quel état? Le jeu pluriel, le jeu singulier? C'est une question personnelle, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment l'entendre, la question. Le jeu est toujours pluriel, il me semble. Hein. Il n'y a pas de jeu qui soit en existence sans la compagnie d'un autre jeu à l'intérieur de lui-même. Mais je veux revenir aux interventions précédentes, celles de Maître Condi-Condi et la vôtre jeune homme, qui est étudiant en philosophie. Je suis plutôt adepte du mot précis pour une pensée précise. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis employée à faire des propositions terminologiques. Hein. J'ai proposé déjà, je ne vous ai soumis que ces deux propositions, hein, esclavagiste, esclavagé, mais j'en fais d'autres également, parce qu'il me semble que l'histoire de l'humanité, particulièrement celle qui a concerné les nègres en Afrique et puis outre-Atlantique, est fondée sur tant d'injustices, sur tant de déstructuration que cela requiert un minimum de vigilance, y compris dans la manière d'utiliser les termes, à une idée interne. Donc dire que les ancêtres qui sont allés
en Amérique est impropre. Dire que les ancêtres ont traversé est impropre. La seule chose qui se soit produite est de l'ordre de la déportation. Que le terme soit utilisé systématiquement lorsque nous parlons de ce type d'histoire et que nous voulons rendre le procès de déplacement d'une localisation à une autre. Donc, les Africains ont été radiés, que je sache, aucun n'a désiré, n'a choisi la déportation. Une déportation ne se choisit pas de manière fondamentale, n'est-ce pas? Donc, les Africains réduits à l'état d'esclavage en Amérique ont été déportés. Peut-être qu'il serait bon de considérer le fait de ne plus dire qu'ils ont traversé l'Atlantique, qu'ils sont allés, qu'ils sont revenus. Parce que très peu sont revenus finalement. Et la déportation, l'une des choses qui a distingué l'emplacement de l'Africain en Amérique et l'emplacement de l'Européen en Amérique, ou le placement des deux en Amérique, c'est précisément que pour l'Africain, aucun projet de retour n'a été élaboré. La seule chose qui a été envisagée, conçue et perpétrée est la déportation. Il était entendu que l'Africain, il était sous-entendu que l'Africain demeurait à tout jamais en terre américaine. Par contre, l'Européen, en faisant le choix intrinsèque de se rendre en Amérique, avait pour objectif d'y aller de manière temporaire, de s'y faire rapidement riche homme et de repartir vers ses terres originelles, l'Europe. Donc, déjà à ce niveau, il y a un déséquilibre sans précédent qui va causer encore bien d'autres déséquilibres, mais les choses ne se sont pas passées exactement de cette manière, puisque l'Européen a fini par rester en Afrique, lui aussi. Alors, je suis tout à fait d'accord que l'une des choses qui a animé l'Africain est la foi, non pas la foi telle que l'entendent les judéo-chrétiens ou même tout, l'individu croyant tout simplement en une divinité quelconque, mais j'ai précisé que l'Africain s'est fondé sur ce qu'il savait, connaissait, comprenait. Il y a le savoir, il y a la connaissance, il y a la compréhension du savoir, de la connaissance, c'est ça la foi. Il savait ce qu'il était. C'est parce que les cultures africaines qu'il possédait, qu'il animait, qu'il le structurait, étaient très ancrées, très structurées, très profondes, fondées sur la spiritualité. Pas seulement, mais beaucoup sur la spiritualité, qu'il a pu demeurer homme et homme africain. Donc ça, c'est la foi. Oui, c'est une foi. En créole, l'expression « pède foi » se dit, ou « pède foi », tu as perdu la foi. Ce qui veut tout simplement dire, tu as manqué de courage, tu as détalé comme un lapin devant l'adversité, tu as fui. Eh bien non, ils ont gardé la foi, cette foi créole, entre guillemets. C'est de cette foi-là que nous parlons, et en effet, c'est de cette foi en l'homme, en leur humanité, ils étaient convaincus d'être des hommes. Cela ne leur a pas été soutiré. En Amérique, l'Africain et l'homme ont été battus, nous connaissons l'histoire du fouet, combattus, c'est le système qui le veut, mais en aucune manière l'Africain et l'homme n'ont été abattus. L'interoralité est là pour le démontrer. Donc, il s'agit évidemment d'une philosophie, d'une manière de concevoir qui est singulière, qui est antithétique à la manière européenne, à ce moment de l'évolution historique de l'Europe. À ce moment de son histoire, l'Europe est profondément anti-homme. C'est elle qui a articulé le système, qui l'a pensé. Un système qui va à l'encontre des spécificités de l'homme. C'est une philosophie. C'est une philosophie qui repose sur des concepts et des idées très particulières. L'Africain va proposer une alternative à cette philosophie, une contre-philosophie. Il va proposer quelque chose qui soit d'un autre ordre.
est plus en faveur de l'homme. Il va sauver l'homme en Amérique. L'Africain en Amérique sauve l'humanité. Parce qu'en Amérique, il ne va pas répondre de manière totale à la désintégration de l'humanité qu'il porte. Il va la maintenir. Et pour le démontrer, sa culture va parler. Essentiellement, sa culture de la parole. Donc, en cela, il sauve, oui, il sauve l'humanité. Merci beaucoup. Alors, dans le contexte de la mondialisation, vous voyez... Dans le contexte de la mondialisation, cela vous satisferait-il? Ça donne des raisons d'espérer, puisque la résistance est inscrite dans cet ordre de foi, en l'humain, en l'humanité, dans l'homme. C'est ça, en fait. C'est pas, parce qu'on ne peut pas vous bestialiser. On ne peut pas vous abaisser au point de vous retirer votre âme. C'est bien cela. Et c'est ce qui fait qu'au-delà des contextes, vous restez vous-même, mais une condition, conserver votre identité. Et c'est toute la quête, c'est tout le sens de la quête. Et j'ai cru comprendre quelque chose, une allusion extrêmement grave de la part du professeur Mbete Kongolo. C'est sa déception dans la rencontre avec cette Afrique qu'elle a très rapidement vue, qu'elle a pu voir passer, où elle est tentée de conjuguer au passé ce qu'elle croyait d'être le présent. Et peut-être que ceci appelle qu'elle ajuste la pensée pour nous éclairer et nous dire justement pour les jeunes qui sont dans le contexte de la mondialisation, parce que c'est ça qui est finalement visé ici, qu'elle ajuste sa pensée ou qu'elle la réfléchisse afin peut-être qu'on ne sorte pas complètement abattu. Alors, je voudrais seulement insister sur le fait que le procès d'animalisation réussit dans une certaine mesure. François Fanon n'a pas existé pour rien, et surtout, il n'en a parlé pour rien. Il a parlé pour démontrer combien l'aliénation était un système de désintégration et que ce système était porté par tout colonisé et tout colonisateur également. Donc, le procès d'aliénation mis en place, le procès de déstructuration savamment pensé, mis en œuvre dans la plantation, a perduré les siècles au-delà de la plantation. Donc, il y a eu évidemment ce rejet de l'Afrique, il y a eu ce rejet de soi, l'auto-mutilation, mais également l'auto-cannibalisme. Mais à côté de cela, il y a eu aussi cet accomplissement. Et il faut le relever parce qu'il n'est jamais en relevé. Parce que, précisément, nous nous concentrons la plupart du temps sur la productivité du système de démantèlement. Il était tellement bien pensé, il a été tellement bien mis en œuvre qu'il a porté fruit au point où le nègre va participer lui-même à sa propre désintégration parce qu'il aura intériorisé les chaînes qui le permettent. Il sera sorti de la il sera sorti du subconscient pour entrer dans la totale inconscience et devenir son propre créateur. Mais encore une fois, j'insiste, il faut également relever ces faits qui sont des faits historiques parce que l'intertextualité est un fait historique. Cela s'est produit dans l'histoire. Alors, rapporter cela à l'époque moderne, évidemment, il s'agit d'un modèle. Mais n'oublions pas un modèle à suivre, peut-être, sans doute. Mais n'oublions pas que l'Africain réagit en Amérique de cette manière. Il
réagit de manière aussi virulente que l'est le système. Il a cette capacité de discernement, d'identification idoine du problème, pour y apporter une réponse tout aussi idoine. Il se sait sous attaque. Il mesure l'ampleur de l'attaque. Il y a quelque chose en face de lui qui veut le détruire et il va y répondre. Il ne va pas se laisser détruire de cette manière aussi simple. Mais la question à se poser aujourd'hui, pour que ceci constitue un modèle, considérons-nous qu'en face de nous se situe une machine prête à nous désintégrer? Si nous estimons qu'il n'y a pas de danger, que tout va bien, alors l'exemple que peut constituer l'interoralité pourra être rangé dans les tiroirs. Si au contraire nous estimons que face à nous se trouve un système un peu construit sur le modèle du système plantationnaire dont l'objectif est la désintégration, eh bien peut-être que nous devrions en effet penser à considérer de manière très sérieuse l'interoralité et son procès, ses mécanismes et ses articulations. Oui, Dolissane, docteur Dolissane. Non, je voulais juste dire, j'ai pas de questions à poser à ma collègue, c'est comme si je me renvoyais la balle, parce que je sais à peu près tout ce qu'on se dit. Je voulais juste dire aux jeunes étudiants, aux fils là, qu'il a posé une question en disant qu'il pensait que le compte, et qu'il venait dans une conférence sur le compte, mais en fait, il y a, non, ce que je veux lui dire ici, c'est que c'est l'Occident qui a folklorisé tout ce qu'il a appelé genre mineur, ok? Le compte n'a jamais été ludique en lui-même. Au niveau de la forme, c'est la dimension rythmique africaine qui rend le conte ludique en apparence. Mais le conte en lui-même n'a jamais eu un fondement ludique. Le conte a toujours eu des visées pédagogiques et didactiques parce que c'est des maximes, parce que c'est des pesanteurs, c'est des valeurs qu'il faut transmettre de génération en génération, donc pour former l'homme. Donc, ce qu'il faut apporter, votre question est très intéressante, mais je vais l'aiguillonner en ce sens. Pour ce qui est de la mondialisation aujourd'hui, je vous réponds tranquillement qu'il faut donc, à partir de ces éléments-là que donne le professeur Bicoy et ma collègue, il faut donc revisiter tout cet héritage culturel africain, non plus sur le paradigme des Occidentaux qui l'ont positionné comme en utilisant les termes folklore, mais à rentrer à l'intérieur pour savoir si justement la vérité ne se situe pas dans ce qu'on a appelé folklore. Parce que, figurez-vous, n'oubliez pas que ce qui était bien pour les Occidentaux n'était pas forcément bien pour nous. Donc ils ont tourné en bourrique tout ce qui concernait valeurs africaines pour présenter, n'est-ce pas, leur marchandise comme véritable valeur. Parce que l'Occident était venu ici pour dire honnêtement, et soyons clairs là-dessus, pour faire du commerce. Et ils l'ont toujours fait, commerce des armes, commerce. Je ne vois pas comment, je vois les Africains aujourd'hui dépenser des milliards dans des églises où ils vont à 6 heures du matin, ils reviennent à 23 heures. Hein? Alors que les hôpitaux, cet argent, ils pourraient plus l'investir dans les hôpitaux pour donner, n'est-ce pas, un peu de santé aux gens. Mais dépensent dans des églises qui leur promettent monts de merveilles, ainsi de suite. Donc, ce n'est que le prolongement de la vente des âmes. L'esprit africain a été vendu ailleurs. Donc, je pense que pour retrouver cet esprit-là, il faut revoir l'Afrique profonde et son être culturel. Donc, c'est ce que l'Afrique peut apporter à la mondialisation. C'est tout ce que je voulais dire. Excusez-moi pour la réponse. Je voulais répondre. Merci, docteur Dorset. Je vais privilégier ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Docteur Makani, puis Monsieur Epalé, et nous terminerons par deux jeunes avant de donner la parole à Maître Fonny.
Merci de me passer la parole. Je souhaiterais que Madame Aneta nous présente s'il y a lieu une différence ou une similitude entre ce que les ancêtres déportés ont pu faire dans les champs de plantation, notamment comme ils ont utilisé leur intelligence, non seulement comme un ressort psychologique, mais également comme une arme pour résister, et ce que aurait fait par exemple les négro-africains de la négro-résistance de Harlem. Là-bas, parce qu'il me semble que également ces gens-là ont été assez intelligents. Mais est-ce que la différence se situerait simplement au niveau où les premiers n'étaient pas seulement scolarisés, les seconds étaient devenus des premiers intellectuels, où réside exactement la différence? Alors, je me suis employée à considérer les contes de l'Amérique insulaire, donc de la Caraïbe, et non de l'Amérique continentale. Mais j'aurais pu également, puisque la Caraïbe s'étend continentalement, Belize, les Guyanes également font partie de la Caraïbe anthropologique, et les États-Unis également, puisque ce sont les mêmes contes, et c'est le même procès qui a été également, avec certaines nuances, c'est le même procès, s'est tenu, s'est déroulé dans les colonies continentales de l'espace qui plus tard est devenu les États-Unis. Les contes africains ont également été transposés, donc à Nancy et son pendant Lienne, comme on les regarde plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, sont bien présents également aux États-Unis, notamment dans le corpus louisianais. Et d'ailleurs, les personnages y apparaissent sous une terminologie souvent en français, puisqu'il y a eu la fuite de familles de Saint-Domingue, de familles entières de Saint-Domingue durant la Révolution, des familles esclavagistes qui ont fui la Révolution et qui sont parties avec les esclavagés également, qui se sont installés dans les possessions françaises du continent, notamment en Louisiane, donc l'influence de Haïti sur l'influence de Haïti à ce moment-là, donc de Saint-Domingue, est très présente dans le corpus, le canon interoral des États-Unis également. Par contre, l'oralité, pour des raisons d'évolution du pays en lui-même, les États-Unis, pour également des raisons concernant la situation des Africains-Américains sur le territoire états-unien, l'oralité n'a pas été aussi vibrante pendant aussi longtemps que dans la Caraïbe. Aujourd'hui, l'oralité dans la Caraïbe est très relative, mais elle a été vibrante jusque dans les années 80, par exemple. La Caraïbe subit la même crise ou les mêmes crises que subit le continent africain pour ce qui est de son système de parole. C'est d'abord par là qu'on a... La première injonction de fait à l'esclavagé est de se taire, de ne pas parler. C'est vraiment « pelle » en créole. « Taisez-vous, faites silence ». Et cela figure partout dans les archives. Donc, on entend bien que l'enjeu principal est celui de la parole. Dire et pouvoir dire. Parler et pouvoir parler. En Amérique, il se trouve que l'on parle sur le nègre. On parle pour le nègre. Mais en aucune manière, on envisage qu'il puisse parler pour lui. Il va trouver le moyen de le faire. Il le fait au moyen de l'interoralité. Par exemple, donc le fait que l'injonction soit posée de manière aussi systématique et que ce soit une règle absolue à laquelle doit se tenir l'esclavagé augmente, intensifie l'importance de ce qui va se dérouler plus tard. Le système de parole va être effectif tel que le démontre l'action ou la contraction de l'Afrique en Amérique. Merci, je ne commenterai pas. Monsieur Epanet, vous avez la parole. Merci. Je voudrais
prier l'assistance qu'on me permette d'introduire mes propos par un exercice pratique de l'oralité, mais à travers ma langue. En fait, il s'agit d'introduire une chanson qui, plus tard, vous permettra de comprendre ce que je voulais vous dire. Donc, je vais vous inviter chacun de répondre. Mon hon, mon hon. Mon hon, mon hon. Mon hon, mon hon. Pepe ne ko ne namoko. Mon hon, mon hon. Mon hon, mon hon. Mon hon, mon hon. Mon hon, mon hon. Je couvre. Mon hon, mon hon. Je vous remercie. Wow. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que à travers la conférence de Madame Anita, j'ai compris que malgré la déportation, les Africains ont gardé la conscience qu'ils sortent de quelque part et que nul au monde n'a la force de changer ce genre de phénomène. Et chez nous en Afrique, d'après ce que je viens de dire, nous sommes conscients que nous ne sommes que un. Frères et sœurs, mari et époux, nous ne sommes que un. Mais pour aller au-delà de la terminologie de un, en fait, chez nous, les Africains, peu importe la différence de couleur et de taille, nous ne sommes que un. Donc si nous prenons conscience de tout cela, il n'y aura pas de guerre ni de conflit. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens qui, à travers notre culture aussi, comprenons que la nature est riche. Il y a suffisamment de l'abondance pour tout le monde. Donc, chez l'Africain, l'esprit d'accumulation n'existe pas. Ou n'existe pas. Pour nous, il faut plutôt développer le sens du partage. Et maintenant, pour revenir dans le contexte historique, qu'est-ce qui avait motivé les Européens de commencer à venir en Afrique et de faire la déportation? C'est du fait de leur culture aussi. La pas de gain. La pas de gain, l'accumulation. Et pour y arriver, il faut utiliser un certain nombre de subterfuges que eux ils vont appeler les stratégies. En introduisant les religions et autres pour essayer de nous faire un lavage de cerveau. Mais moi, je suis convaincu que, au-delà de toutes ces stratégies, ils n'arriveront pas à leur fin. C'est pour ces raisons que tout le temps, il y a des crises. Parce que les crises sont faites pour que les gens se remettent en question et se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que nous devons faire pour y mettre un terme? Et je reste convaincu que c'est à travers le dialogue qui est le facteur fondamental de moyens de véhicule, d'échange pour résoudre les conflits et pour que les gens puissent s'entendre et vivre en harmonie que nous y parviendrons. Et c'est cette valeur qui est propre à l'Africain. Donc, pour ma part, je dis que l'inter-oralité, il faut y croire, mais sensibiliser ces gens-là qui, au lieu d'utiliser nos différences pour qu'on soit complémentaires, mais œuvrent plutôt pour que nous puissions nous cogner la tête. Donc, madame, je vous dis bravo, merci, mais il faut transporter votre message de l'autre côté pour qu'ils sachent que nous avons des valeurs et qu'il faut qu'ils viennent puiser dans ces valeurs pour pouvoir résoudre les problèmes de l'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette contribution. Alors, vous vous présentez et vous prenez la parole. Oui, je l'entends.
Moi, c'est Nzoué Claude Armand. Jamais incendé, vous comprendrez que mon sujet est étudiant de philosophie, niveau 3. À suivre, madame, on est touché, d'autant plus touché dans la mesure où ses propos entrent en droit ligne dans la logique même de la dynamique philosophique, c'est-à-dire que la philosophie étant fondamentalement une discipline qui s'entoure des valeurs humaines et hominisantes. Ceci étant, madame l'a si bien dit, elle a si bien relevé que nous sommes dans une dynamique de bien avancée et fortement, solidement enracinée par le système esclavagiste pour renforcer l'aliénation, la déshumanisation, la déshumanisation de la personne africaine sur tous les plans possibles. Je voudrais savoir, vous allez me permettre de poser un certain nombre de questions, je voudrais savoir quelles sont les stratégies aujourd'hui mises en place par l'Africain de l'autre côté pour venir à bout de cette domination qui s'observe aujourd'hui, pas seulement sur cet Africain qui est de l'autre côté, mais aussi sur l'Africain qui est resté sur la terre continentale, c'est-à-dire en Afrique. Ma deuxième question me permet, la première question me permet d'enchaîner sur la deuxième. Il y a un certain nombre d'ouvrages rédigés par les Occidentaux, par exemple l'ouvrage de Jean-Claude Guillebaud intitulé La refondation du monde, où ces Occidentaux eux-mêmes, à un certain moment, ont prouvé que malgré toute la domination qu'ils ont infligée aux Noirs, ils sont, entre guillemets, sur le pied de faire un mea culpa à la personne noire. Et l'autre ouvrage, c'est celui de Paul Hazard, La crise de la conscience occidentale. Également, à lire cet ouvrage, on comprend, en une certaine mesure, que l'Occident remet en cause la situation déshumanisante qu'elle a infligée à l'Afrique. Alors, je voudrais donc savoir, est-ce qu'il y a des stratégies mises en place par les nègres, par nos frères africains qui se trouvent de l'autre côté, pour freiner cette dynamique d'aliénation sur leur personne, de manière à ce que, je veux bien le penser, elle n'est pas sclérose, cette situation, pour que les mesures de résolution du conflit soient à la mesure de la situation qu'ils vivent de l'autre côté. Merci beaucoup. On va continuer. Vous voulez bien vous lever et nous dire, vous n'êtes pas étudiant en philosophie, vous? Malheureusement, je ne suis pas étudiant en philosophie. Ou heureusement, je le dis. Mais plutôt étudiant en littérature et civilisation africaine, à l'Université de Yaoundé 1, en 5e année. Donc, ma question, ce n'est pas d'abord une question. Je voulais d'abord faire une analyse, aller dans le sens de professeur. Parce qu'il n'y a pas. Critiquer, oui, peut-être, je pourrais apporter des limites, mais avant, j'aimerais d'abord contribuer à sa pensée en disant que cette question de l'Africain en Amérique, et qui pose nécessairement la nouvelle, une créativité pour la naissance de l'interoralité, est très importante dans la mesure où. L'espace, si on voit, on considère l'espace insulaire des Amériques comme étant un espace d'initiation pour l'Africain déporté. Pour moi, c'est un espace d'initiation. Et en tant qu'espace d'initiation, le processus qui devait naître de cet espace, de cet Africain déporté, a été, ne pouvait qu'être que celui de la reconstruction de l'être même. Et cette reconstruction, vous l'avez dit, transparaît à travers à travers la mémoire. Cette mémoire qui retrace son identité, qui transpose ce qu'elle a apporté, ce qu'elle a laissé, ce qu'elle a oublié, afin de reconstituer
une identité, pas une identité à sens unique, mais une identité plurielle, je le dis plurielle, avec pour ambition de s'humaniser davantage. Donc c'est dans cette mesure que lorsque je vois cette dialectique, on peut dire cette dialectique entre l'Africain en Amérique et l'Africain en Afrique, me pose justement à poser la question de savoir si vous pensez qu'il peut exister une symbiose entre l'Africain en Amérique et l'Africain en Afrique, dans la mesure où les préoccupations sont certainement, peuvent certainement pas être les mêmes au regard du contexte spatial. C'est un peu là la préoccupation entre eux. Elle est pertinente. Une dernière intervention, c'est le maître Fondi. Oui, je vous remercie. Quand nous disons la parole, je ne connais pas beaucoup d'autres systèmes. Je n'ai étudié que le système Lascar. Je prends d'abord chez nous, nous disons Hopi-Mout. C'est la parole qui fait l'homme. C'est la parole qui fait l'homme. Et cela me rappelle mon grand-père, que je n'ai pas connu, mais qui est resté célèbre parce qu'il avait hérité de ses ancêtres une pratique que nous avons complètement oubliée. Et je pense que c'est ce qui arrive aux Africains qui sont aux Caraïbes. Quand vous parliez avec lui, n'importe quel sujet, vous rentrez. Quand vous revenez le voir, parce qu'il était bon, quand vous reveniez le rencontrer, vous vous saluez tout, vous voulez engager une conversation, vous disiez non. Ce que nous avions dit la dernière fois, là où nous sommes arrêtés, rappelez-moi tout ça. Et vous engagez donc une seconde conversation. Ça, c'était le travail de la même. Il est resté très célèbre parce que c'est l'un de ceux qui, à son temps, parce que mon grand-père a refusé de nous faire pour ne plus être colonisé et pour ne plus être esclave. Esclavagé, d'après votre. Donc, je préfère aussi utiliser le terme esclavagé. Voilà. En fait, c'est si nous arrivons à trouver des réponses à ce que je suis en train de dire, je pense que le reste va aller de soi. Merci. Aneta va répondre et nous allons conclure cet entretien. Merci, professeur Paul. Alors, lorsque je parle des Africains en Amérique, je parle vraiment d'Africains en Amérique. Je ne parle pas de la descendance d'Africains en Amérique. Donc, j'aurais dû spécifier, préciser cette distinction. Les Africains en Amérique sont issus de l'Afrique et portent une charge épistémologique africaine. Leur descendance est communément et de plus en plus appelée afro-descendants. Ce sont les nègres d'Amérique, hein, d'Amérique continentale et d'Amérique insulaire. Donc, le caribéen qui provient de cet Africain en Amérique n'est pas un Africain. Il est de l'Afrique. J'ai parlé de reformulation de l'Afrique en Amérique. Il y a eu transformation. La transformation stipule la distinction. Donc, les enfants des Africains sont culturellement distincts et identitairement distincts de leurs ascendants, de leurs pères, de leurs parents, tout en portant bien évidemment une partie de l'identité de ses parents. Donc,
il serait bon de distinguer, par le biais de la terminologie précise, Africain en Amérique, c'est précis et dénotatif, et afrodescendant, ou les enfants des Africains en Amérique, ou les nègres d'Amérique, aujourd'hui, par exemple. Un autre référent terminologique hein, pour distinguer les deux. Donc, la stratégie pour lutter contre la désintégration de soi, pour qu'elle ne perdure pas, je crois que des actes ont été posés. Hein. Je présente l'inter-oralité comme le début d'une tradition. Donc, la tradition perdure. Il y a eu ensuite la négritude, par exemple. J'ai aussi insisté sur le fait que l'idée avait été un biais de défense. C'est à travers l'intelligence, l'intellection, l'activité cognitive, mais également la pratique de la pensée intense dans la Caraïbe que la défense s'est formulée, l'autodéfense s'est formulée. Cela a culminé au XXe siècle avec la négritude, par exemple, parce qu'elle s'est propagée, elle est devenue très visible dans le domaine des idées et dans le monde intellectuel. Qu'est-il mis en place? Je ne saurais répondre à cette question, mais je voudrais, moi, vous inviter à vous demander, puisque vous êtes dans cette conscience, puisque vous posez la question, vous êtes conscient de ce qu'il existe un système de violence symbolique, une doxa structurée, produisant et reproduisant à souhait les chaînes de la déconstruction hein, que François Fanon a qualifié d'aliénation. Vous êtes conscient de ce que l'aliénation fasse cours, hein, soit en existence et qu'elle soit portée par les uns et les autres. La question que j'ai envie de poser, à partir de cette conscience vôtre, que faites-vous? Quels sont les actes concrets que vous entamez? D'abord sur vous-même, pour vous-même, pour tenter de juguler cette aliénation que vous portez très certainement, puisque la colonisation a offert au monde ses termes d'aujourd'hui. Hein, nous sommes le produit de la colonisation, et l'un des caractères de la colonisation a été de produire l'aliénation pour les colonisés et les colonisateurs, pour leurs descendants respectifs. Donc, que faisons-nous chacun pour que ce monde soit un monde plus vivable pour les hommes dans le rapport dialogique? Oui, et je ne sais plus qui, je ne sais plus qui, c'était peut-être vous encore ou vous monsieur qui parliez de la symbiose. Peut-il exister une symbiose entre Africains en Afrique aujourd'hui et Afro-descendants en Amérique? Je ne sais pas. Je crois que j'ai pu constater, les faits peut-être m'indiquent que la conscience et la mémoire de l'Afrique ancestrale, qui peut-être contient des éléments de développement, est conservée par les afrodescendants, peut-être pas forcément par les Africains. Donc à partir de cela, peut-il y avoir symbiose? Je ne sais pas. Peut-être les afrodescendants en Afrique qu'ils sont le plus proche de l'Afrique avant la colonisation que les Africains d'aujourd'hui. Je n'en sais pas. C'est une idée à investiguer, il faudrait peut-être pousser un peu plus, mais l'expérience du terrain me mène à plutôt pencher vers une réponse positive à ma propre interrogation. Et puis, oui, en créole, évidemment, le système de proverbes africains, donc l'inter-oralité est constituée d'une part des contes et d'autre part des proverbes, parce que la transposition des proverbes a également eu lieu. Donc, jusqu'à très récemment, dans la Caraïbe, jusqu'à dans les années 70, de manière intense, on parlait en proverbes. Pour parler aux enfants, pour émettre des idées, on avait recours à un proverbe. D'une manière africaine, puisque l'inter-oralité n'est pas la seule présence africaine en Amérique. Hein. Il y a d'autres formes également
concernant cette présence. Et donc, en créole, on dit « Sagvid pakachame bouvit ». Un sac vide ne peut se tenir dans la position érectile. Il lui faut d'un contenu. Mais la question à se poser, c'est pour vous, jeunes gens, puisque vous posez les questions, alors dans ce sens, la question à se poser peut-être de se demander de quel contenu va-t-on remplir le sac ? Qui va choisir le contenu et à partir de quoi ? Donc en Bassa, on dit le blanc est un menteur, c'est votre père qui le disait. Dans le système plantationnaire également, cette parole était proférée moult fois par les esclavagés. Notamment, il me revient une anecdote, on accuse un esclavagé d'avoir commis un forfait quelconque puisque les accusés faisaient partie du système. Et il répond, non mais moi, vous m'accusez de mensonge, moi. Vous me prenez donc pour un blanc. Donc, dans le système plantationnaire, le discernement de l'esclavagé le menait à identifier le blanc tel qu'il était, porteur de mensonges. En effet, il a élaboré un système mensonger à l'encontre du nègre qui perdure encore aujourd'hui, que nous portons tous. Nous sommes peut-être les premiers à souvenir que le nègre est fainéant, par exemple. Or, le travail de l'Africain en Amérique prouve cette assertion. Le travail de l'Africain en Amérique étant total et totalisant est une instance d'objection farouche à ce mensonge contre le nègre. Donc voilà, je crois, les réponses que je peux apporter pour aller vite, puisque l'heure est tardive et que votre patience est inouïe. Je vous en remercie. C'est une générosité que vous me faites et qui me touche particulièrement. Merci beaucoup. Anita, c'est nous qui te remercions d'avoir bravé les distances, d'avoir recomposé le temps. J'ai retenu de cet exercice, n'est-ce pas, un terme qui me restera cher, c'est le composement. Je crois que le temps est venu de se refaire par le composement. Effectivement, en cela que trouveront leur réponse les questions que se pose cette jeunesse. Il est permis, au bout du processus d'interoralité, de s'imaginer que l'esthétique portée par une éthique n'a de sens que si elle devient praxis. Et voilà l'appel à la praxis. C'est en cela peut-être que le nègre en Amérique, le nègre, l'Africain en Amérique, sauvera peut-être l'Africain en Afrique. Et je crois que c'est tout le sens de ce composement que le Cerf de Tola propose et que vous vous avez porté, dont je remercie Dr Dolissan d'avoir été l'un des artisans, l'artisan majeur, que ce rêve de vous accueillir ici soit réalité. Merci pour votre patience, merci surtout pour les constructions à venir, parce que ceci n'est qu'un début. Nous aurons un certain nombre de conférences dans l'agenda du Cerf de Tola au cours des prochains mois. Je suis sûr que vous serez des nôtres. Je vous remercie une fois de plus, tous, et vous souhaite une très bonne fin de soirée. Hey, 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 yeah. Maman Afrique, on se bat pour toi. Malgré ce qui s'est pensé autrefois, traite négrière, toutes ces guerres. Souffle des vies pleines sur tes terres. En revanche, quand j'étais tout petit, j'ai entre mon pays natal, mon rire plein. Et respecter tout ce que Dieu avait dit. C'est pour cela qu'avant j'avais une mémoire pleine. En cette allure, c'était vraiment le paradis. L'argent, c'était pour n'avait pas de valeur. Le solaire, les paroles nous indiquaient l'heure. Aujourd'hui, on dit c'est la modernisation. Concrétisons ensemble nos grandes ambitions. Hey, hey, voyons très fort et bien fiers. Comme les bons soldats en pleine guerre. Et tout ce qui nous reste à faire. C'est jusqu'à la gare, on a intérêt à le faire.